président de la CNI, avez-vous vu cette réunion simplement pour voir avec nous les candidats au président de la République pour les élections à venir, comment regarder ensemble des conditions réalistes pour avoir des élections crédibles, des élections transparentes, des élections inclusives, des élections apaisées. Nous avons discuté avec lui, nous avons passé en revue tous les problèmes que nous posons, c'est-à-dire problème dès le commencement de la loi portant organisation et fonctionnement de la CNI, la composition de la CNI, le problème de la loi électorale, des faiblesses de cette loi, des points de désaccord qui se trouvent dans cette loi, le problème de l'inclusivité des candidats qui sont embêtés aujourd'hui. Ils n'ont pas la possibilité de se mouvoir correctement. Ils sont convoqués à tout moment. Nous avons parlé de problèmes surtout de la confection du fichier électoral. Ce fichier, d'après nous, a été confectionné dans des conditions opaques. Vous savez tout ce qui s'est passé, les machines défaillantes, le personnel non qualifié. Et puis, il y a eu, le président de la CNI appelle ça des rumeurs, des cas d'accidents où on a vu le matériel de la CNI, des kits électoraux à Kasumbalesa et à Tshikapa. Et nous voulions avoir des précisions et pour savoir qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui. Et vous avez un fichier. Et ce fichier, nous le contestons. Ce fichier n'a pas été audité par un organisme indépendant, qualifié, réputé, avec nos auditeurs à nous, nos observateurs, pour attester que le fichier est réellement fiable. Vous avez vu, nous avons passé plus de 4 heures pour discuter de ces questions. Donc c'était sérieux. Le président de la CNI maintient que ce fichier est fiable d'après lui. Il dit que ce fichier a été audité et que son audit à lui a fait une recommandation qu'il va appliquer, implémenter. C'est quoi cette recommandation? C'est afficher les noms des électeurs tels que recensés. Nous avons dit, nous sommes d'accord que vous affichez les noms des électeurs, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller au-delà. Il faut l'audit externe par un cabinet réputé, indépendant de ces fichiers électoraux. Donc, pour l'instant, il a pris cette proposition qu'il va amener à la plénière de la commission électorale et après, nous aurons la réponse. Pour nous, donc, il est essentiel que les fichiers soient audités. Parce que ces processus, les élections, c'est fait sur base de confiance. Ce qu'il nous a dit, il s'est justifié, il a donné ses raisons et il a reconnu que ces genres de réunions, ou si ces genres de réunions étaient faits, organisés avant, on n'aurait peut-être pas eu de problème aujourd'hui. Mais nous sommes là où nous sommes, il faut éclairer les Congolaises et les Congolais, éclairer l'opinion internationale aussi, sur la crédibilité de ces processus. Donc, ce qu'il faut comprendre, nous avons suggéré au président de la CENI que nous puissions tous avancer. Vous affichez la liste, les opérations continuent, mais l'audit aussi s'est fait. Si l'audit vient nous révéler que le fichier était correct, que le fichier a des faiblesses de 2-3% qu'on peut surmonter. Nous sommes d'accord. Mais si l'audit nous dit que ce fichier n'est pas consommable, il faut prendre ses responsabilités. Nous prendrons nos responsabilités. Donc, pour l'instant, voilà la conclusion à laquelle nous nous sommes arrivés. Les listes seront publiées. L'audit, nous l'avons demandé et nous l'exigeons. C'est une exigence qu'on ne peut pas dépasser, on ne peut pas mettre de côté. Lui, il va poser la question à la plénière et il reviendra
à nous. Monsieur le Président, on peut dire que vous êtes satisfait. Monsieur, la question que nous avons posée pour les cas de la MOCA, c'était de dire que nous n'allons pas déposer nos candidatures à tous les niveaux tant que le fichier électoral ne sera pas un fichier fiable. Et nous sommes en train de trouver cette solution-là. Donc la question que nous avons posée, la réponse que nous avons eue, vous aurez une première, réponse au niveau de la fiabilité en ayant les listes affichées. Nous avons dit que ce n'est pas suffisant. Il faut, pour avoir la fiabilité totale, il faut un audit. Oui, madame. Vous avez eu un délai de réponse après la séance Très bonne question. Nous avons suggéré que la semaine prochaine, ils reviennent à nous pour nous donner la réponse à cette question. On a posé des questions liées à la sécurité et à l'argent. Oui, le président de la CENI a dit que pour lui, il attend, il a 6 ou 7 mois d'arriéré et que le gouvernement a promis 100 millions qui doit être décaissé incessamment. La question de la sécurité, nous avons posé, mais ces questions-là, ce n'est pas à lui de résoudre parce que ce n'est pas lui qui gère le pays. L'application de ces revendications ne risque-t-elle pas d'avoir comme conséquence les reports des élections prévues le 20 décembre ? Non, c'est comme ça que nous avons dit. Nous avons dit ceci. Nous continuons le processus et concomitamment aux autres éléments qui sont dans les calendriers, qui sont en train d'être faits, et concomitamment à ça, on fait l'audit du fichier électoral. Donc, ça ne va pas retarder les élections. Merci. Mais si on a bien obéi au bâti si beau, tu le dis qu'on publie bah combo y a bâti. Zé malamo, mais qu'on a malamo sous coléka. Tout ça la audit y a fiché. Cabinet indépendant à côté na quatre fichiers électoraux à tala ceux qui inscription à électeur et salamaki pour l'année ça mana mi beko yamboka. Pe bah tout ça qui maie manso oyo bureau la Seigneur Zéko. Namakambo Italie et le processus électoral au Sengeli Kota la sécurité à bateau parce que aux Zangi Bokengezé na kati na mboka na biso pe ba candidat bango nyonso bali rassurete na makambo kolika na mboka pour que toke ne l'élection à la pénale libre, démocratique, transparente. Ya la ki a kozonga na niveau ya plénière ya CENI. À côté la mona baninga na ye pa ko zongi la biso na beyano na semaine ezali ko ya pona ko yebisa biso lo lenge nini bango bakoki ko bongisa pote maponami ezonga na nzela elongobani pe accord to pe consensus ezala kati na bakteur nyonso oyo bazali ko kende na makamba ponami ezala bato opposition bato majorité ezala société civile ezala bango. Na gouvernement parce que m'ta coupé sa mosolo pour étaler sénité ba pesa ye mosolo ya kukuka ote maponami esa le manatango poto to sa likambo na kalande mais bazali na barriere abi mikorizeri ko ya ba rejoindre à peu près 100 millions de dollars au reverser bango. Donc je crois que le retard et vous allez résorber pour tout que na maponami. Merci beaucoup. Oh, monsieur,
Yann. Ok, micro, on est bien. Et Pella. Nous sollicitons.